En Allemagne, où l'âge retraite est progressivement augmenté à 67 ans d'ici 2029. La presse a abondamment fait l'histoire de crise retraite en France. Ce qui impressionne le plus, c'est la forte mobilisation contre la réforme. La mobilisation nationale contre réforme des pensions en France fascine les médias allemands. En hausse, la situation à sa manière, un gouvernement sur le terrain. Population sur les barricades. Plus grand que, à Paris. C'est le Moyen Âge. La puanteur et les hordes de rats, comment les médias russes parlent de mobilisation contre la réforme des pensions pour Tagesspiegel. Emmanuel Macron incarne un puissant souverain qui impose sa volonté à la manière du Sun King à un peuple qui se bat pour ses libertés et ses privilèges. Pourquoi les manifestations sont-elles si violentes en France ? Gouvernance difficile à venir. La presse souligne également l'esprit combattant d'Emmanuel Macron, qui est resté déterminé, malgré la mobilisation et les critiques, au cours des années passées à gérer crise, guerre, la guerre en Ukraine, l'inflation. Le chef l'État reprend intrépide réformateur. Analyse le Spiegel. La cote de popularité d'Emmanuel Macron peut être en bas depuis crise des Gilets jaunes. Il ignore les critiques. Note Tagesspiegel. Un journal quotidien note qu'Emmanuel Macron ne craint pas conflit et qu'il n'a pas à se soucier son réélection. Seulement sur héritage politique. Les médias allemands prédisent cependant des mois compliqués à venir pour Emmanuel Macron et le gouvernement. Pour Spiegel, Emmanuel Macron est le chef d'un pays plus divisé que jamais, tandis que la Süddeutsche Zeitung prédit qu'il sera difficile de gouverner la France dans les mois à venir. La France est en crise depuis que Emmanuel Macron a adopté sa réforme impopulaire des pensions. Sans vote parlementaire, le président veut passer à d'autres questions, les citoyens ne le laisseront pas le faire. Seit Emmanuel Macron seinen liebte Renten Reform ohne Parlament Beschluss durchgebockt hat. Steckt Frankreich à der Krise Presside, ou ils ou anderen Themen übergehen 2023. En bref, tout le bien-être français menacé, rit le journaliste. Tandis qu'un autre se demande si, avec une retraite à 64 ans, l'expression très populaire ici en Allemagne, Live like a God in France, toujours un avenir.